Bonsoir à tous. On se retrouve ce soir sur le jeu Rage Mort, un jeu microgame qui va sortir très prochainement chez Matago et c'est un jeu qui est exclusivement solo et une raison pour laquelle je vous le présente ce soir. Donc ce jeu m'a été envoyé par Matago il y a quelques semaines. Puis j'ai pris le temps d'y jouer un peu et surtout voilà, je voulais avoir un ressenti avant de vous le présenter. Donc ce qui m'a déjà très fortement surpris et agréablement surpris eh bien c'est l'ADA de ce jeu qui est vraiment incroyable il euh, faut dire que les solo games et les micro games sont très souvent des jeux avec des mécaniques différentes très souvent c'est une mécanique qui est intéressante ou l'ADA qui est intéressante, et eh bien là c'est les deux vous allez voir, donc déjà l'ADA, vous allez voir donc des cartes recto verso euh, qui représentent le bien et le mal, donc des cartes ici face mal, on voit donc ennemi, horreur et Démoniaque les enfers, on voit voilà, une araignée, un dragon, euh, ici euh, la faucheuse, un guerrier squelettique avec une, une arme à deux mains, encore un, un guerrier squelettique. Bon voilà, une DA vraiment très agréable, donc je vous fais défiler les cartes pour que vous puissiez les regarder, avec cette euh, couleur rouge noir qui va très très bien au jeu. Et ici dans le jeu, l'objectif, ça va être mener des quêtes, mener des combats. En fait, on est le dernier survivant d'un village qui se fait attaquer par les forces du mal. Et nous, on représente les forces du bien. Donc, je vais vous montrer maintenant les forces du bien héroïques. Et on va essayer de tout faire pour sauver notre village et donc éliminer eh bien, la menace qui pèse et les enfers qui pèsent sur le village. Pour ce faire, on va avoir plusieurs actions. On va pouvoir recruter euh, des ennemis qui vont devenir des alliés. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, qu'on va essayer de les convertir vers notre force. On va pouvoir aussi faire des quêtes, et c'est la principale action qui va être réalisée, donc c'est l'exploration qui va nous permettre finalement de rejoindre des ennemis vers la quête et donc d'avancer dans notre histoire et surtout d'avancer vers la condition de victoire. Et on va pouvoir aussi combattre eh bien, les ennemis. Et ça, c'est une mécanique assez intéressante qui va être proposée par l'auteur du jeu, où on va devoir eh bien, comparer nos attaques par rapport à la valeur d'attaque de l'ennemi. Si la valeur d'attaque est supérieure, eh bien, on récupère, eh bien, l'ennemi. Si elle est inférieure, eh bien, notre allié qui va partir au combat va mourir et on va récupérer l'ennemi en tant qu'allié. Et si elle est égale, eh bien, les ennemis et les alliés vont partir dans la dans le deck en fait de rencontre. Bon, alors, on y va. On va passer à la mise en place. Donc déjà la mise en place, on va faire une zone quête. On va placer comme ceci deux tas où il faut absolument que les cartes diffèrent, les symboles que vous voyez en haut diffèrent les uns des autres. Donc ici, on a le symbole couronne, croix-couronne, donc c'est bon. Ici, on a une couronne, on a le soleil. Donc voilà, ici, on a déjà notre espace pour la quête. Ensuite, on va devoir faire l'espace de la main, donc notre zone d'action, l'équipe. Et on va placer les cartes comme ceci, côté face. Euh, héroïque donc ici on a un héros un clair qui a une force de 2 avec une valeur de plus je sais pas si ça se voit bien à la caméra ici un petit plus donc effet soleil une croix donc très bien on a ici un autre héros mais comme on a encore un effet soleil eh bien, il va venir sur le dessus de la carte et donc on perd la valeur de 2 d'attaque c'est pas grave on va faire avec et enfin on a une autre carte qui va s'ajouter dans notre équipe et eh bien ça va être un genre d'assassin qui a un 1 de valeur plus un plus ici, avec euh, un chemin ou un serpent, on va dire, le symbole serpent qui va venir ici. Donc voilà, notre équipe est faite, le deck de rencontre est prêt, et on est parti pour se lancer sur Rage Mort, qui sortira très prochainement dans vos boutiques ludiques. Les parties durent entre 10 à 15 minutes, même 5 minutes si c'est un échec cuisant. On a plusieurs actions, comme je vous ai dit, c'est l'action d'explorer de recruter ou de faire un combat et on peut également passer si on estime qu'on peut laisser un temps mort au tour suivant. Bon. Alors, comment ça se passe C'est simple, vous allez voir. Déjà, première action va venir révéler la première carte du dessus qui est visible de la rencontre. Donc ici, on rencontre un squelette, un combattant squelette qui tient deux armes, qui a une valeur de 2 et qui va déclencher un effet si on ne l'élimine pas. L'effet va être gagner la prochaine carte si elle a une croix ou un serpent. Alors, gagner... C'est intéressant parce que finalement, gagner, c'est-à-dire que la carte qui se trouve ici, si elle a le symbole croix ou serpent, c'est le cas, elle va venir de notre équipe. C'est pas plus mal, ça va m'éviter peut-être de faire une action ici de recruter. Ça peut aussi m'éviter de faire une action de combat. De toute de façon, c'est sûr que je perds parce que j'ai rien qui me permettrait de combattre ici cet ennemi. Ça me permettrait aussi, euh, eh bien, tout simplement de renforcer mon équipe. Bon. Alors, déjà, euh, ce qu'on peut faire ici, regarde, on peut déjà faire une action d'explorer. Parce qu'on a des symboles, comme vous pouvez le voir ici, qui sont également sur les cartes du haut. Donc par exemple, avec l'assassin, avec la couronne et le soleil, je pourrais potentiellement prendre ces deux cartes, les explorer, donc c'est-à-dire faire la quête, et mettre ces cartes de côté. Mais dans les règles, il indiquait que si je quête sur un endroit où il y avait bah, des cartes et qu'il n'y a plus de tas, et bien finalement je rentre dans une très grosse difficulté. Pourquoi Parce que ici... Comme il y a trois cartes et une condition de défaite, c'est d'avoir quatre cartes dans une quête. Et eh bien, cette carte, si je m'en défais pas, elle va venir ici directement dans la zone de quête et ça va être un échec dès le départ. Donc, il faut absolument pas que je quête ici. Par contre, je pourrais faire une quête ici, par exemple, avec le chevalier ici qui me donne une croix et une couronne. Et je pourrais quitter ici, c'est ce que je vais faire, je pense. Donc, quitter, comment ça marche l'action, c'est de prendre la carte, de vérifier ici les conditions d'activation de la quête. Donc ici, j'ai une couronne et une croix. Voilà, donc j'ai deux tas que je vais venir mettre ici. C'est ma zone ici de quête. Et cette carte, comme elle a été consommée pour la quête, eh bien, il repart ici dans les enfers. Étant donné que j'ai fait cette action, vous vous rendez bien compte que la carte rencontre ici, elle n'a pas été activée ni combattue. Et donc, cette carte va venir s'ajouter dans les zones de quête. Très bien. Et je vais en profiter aussi pendant que je fasse cette action. Pour vous dire les conditions de défaite, parce qu'elles sont nombreuses. Première condition de défaite, c'est si une des zones de quête a quatre cartes ou plus. Échec immédiat. Deuxième condition d'échec, c'est si ici dans la zone qui se trouve ici qui est le cimetière, il y a au moins, et eh bien euh, si je me rappelle bien, attendez, je préfère re-checker. S'il y a trois cartes ou plus, voilà, s'il si y a trois ennemis dans la zone cimetière, c'est un échec. Autre échec possible, je n'ai plus ici de cartes pour pouvoir jouer. Parce que vous allez voir que je vais utiliser mes cartes pour faire des actions. Ici, comme par exemple, j'ai fait l'exploration. J'ai dû consommer une carte. Il ne me reste plus que deux cartes. Donc on se retrouve quand même dans des situations où finalement ça va aller très vite. Et aussi, si la, le deck rencontre est vide, c'est un échec aussi, on a perdu. Donc il va falloir jauger pour essayer d'arriver à la victoire. Condition de victoire, c'est la suivante, c'est d'avoir au moins trois cartes i, donc deux tas de trois cartes identiques, donc avec les mêmes symboles, dans ma zone de quête. Pour l'instant, j'en ai que deux et elles sont différentes. OK. Donc on va activer maintenant l'effet de la carte à la fin de son tour. Gagner la prochaine carte, si elle a l'effet croix ou serpent, bah effectivement, ici, on va gagner cette carte qui va venir dans notre main et qui va venir ici. Bon, ça reste assez mauvais. Pourquoi Parce que finalement, elle me donne un zéro et surtout, elle me donne des effets croix. Et pour l'instant, dans les quêtes, il bah, n'y a pas de croix. Donc, euh, on va essayer de s'en sortir. OK. Donc, prochaine rencontre. Ici, on nous dit que si je ne réalise pas le combat ou si je le perds, je vais devoir tuer la prochaine carte. Tuer la prochaine carte, c'est à dire que cette carte ici, elle va être éliminée, elle va venir dans le cimetière automatiquement et cette carte va venir s'ajouter aux quêtes. Et en plus, quelque chose de très important pour l'action recrutement, je ne peux pas recruter des cartes où il y a des têtes de mort. Ça a son importance parce que typiquement ici, j'aurais pu me dire bah tiens, euh, je ne tue pas cette carte, je vais la laisser aller rejoindre le deck de quêtes. Je vais la recruter je ne peux pas. Et étant donné qu'elle a une tête de mort, de toute façon, je ne peux pas la recruter. Donc, ou je fais un combat, ou je continue l'exploration, je pourrais faire un combat par exemple avec cette carte. Ou je pourrais décider même de passer. Je pense que passer, ça peut être intéressant. Si je passe... Ou sinon je peux explorer. Alors, au tour suivant. Ok. On va passer. Je vous montre ce qui se passe. Donc je passe, je ne fais rien. Cette carte va venir sur un des deux decks. On va décider de la mettre ici. Voilà, très bien. Je la mets ici. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que je activé cet effet de carte. Salut Akibi. Bah, décidément, tu es là tout le temps. Comment tu vas euh, Regarde là, je présente Rage Mort. Donc, un jeu de Matago. Qui est un micro-game. Qui va sortir très prochainement dans nos boutiques ludiques. Et c'est un jeu vraiment avec une DA exceptionnelle, je trouve. Qui est vraiment magnifique. Et dans lequel on a plusieurs actions possibles. Donc, trois pardon, actions proposées exploration, recrutement, au combat. Et vraiment, je suis tombé sous le charme de ce jeu. Voilà. Et en plus, c'est assez difficile, il n'est pas simple, parce qu'il y a beaucoup de dilemmes qui se proposent à nous. Et tu vas voir, il y a beaucoup de challenges. Ok, donc on a dit que on a mis la carte ici, donc on va devoir tuer la prochaine carte. Donc la carte ici va aller directement dans le cimetière. Très bien. Cette carte va venir ici, donc la rencontre nouvelle. Nouvelle carte de rencontre, déplacer une des cartes qui est terminée vers le bas de la pioche. Donc ça, c'est très mauvais. Pourquoi Parce que cette carte, si je ne la tue pas... Bah, malheureusement, il eh ben, y a une de mes cartes de quête qui va aller dans la pioche. Ça, c'est très mauvais, ça me fait perdre du temps. Donc, je rencontre un démon qui va me faire perdre du temps, en plus il a une valeur de 3, donc je ne peux absolument pas le tuer, et je ne peux pas le recruter. C'est un démon. Donc, moi, ici, je vais faire une autre action. Je vous ai dit que j'allais activer l'effet du bas de ma carte ici, celle-ci, pour faire l'action explorer. Pourquoi bah, Parce que tout simplement, moi, il y a le symbole couronne et soleil. Ouais, il y a pas mal de micro-games et il y en a euh, un tous les 2-3 mois en solo. Ça marche bien, je trouve. et C'est un système qui marche super bien. Voilà. Donc, là, ici, couronne et soleil. Donc, je vais venir quitter et je vais prendre ces deux cartes que je vais mettre ici. Donc, une couronne, pack pack voilà. Et couronne et le soleil. Donc, déjà, j'ai deux cartes couronne, une carte croix, une carte soleil. J'ai activé l'effet de cette carte. Elle va aller en dessous du paquet de rencontres. Une fois que j'ai fait ça, on va activer donc maintenant l'effet de la carte qui va venir ici. Euh, Est-ce que je le mets ici Oui, je vais le mettre ici, c'est très bien. Déplacer une carte des 4 terminées vers le bas de la pioche. Ben, je ne vais pas hésiter, je vais tout simplement prendre, au vu de ce qui est proposé... Ah ouais, c'est dommage parce que là on a quand même un soleil, une croix qui revient. Ben, on va prendre ici le soleil, ok, qu'on va mettre au bas de rencontre de pioche. Voilà, ce jeu il est super beau, en tout cas il est en print and play, Bound euh, bah, l'a édité, et maintenant bah, Microgame va l'éditer aussi, euh, donc Matago en Microgame, parce que bah, c'est un jeu solo qui est vraiment super beau, une belle DA, une belle méca, j'adore, et j'espère que ça va vous plaire aussi. Donc on va révéler la nouvelle carte, on va faire un combat là cette fois-ci, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc ici on a une araignée, et ici j'ai mon paladin. Mon paladin va aller attaquer l'araignée, il a une valeur de 2, 2 plus 0, donc 2, et ça va nous permettre de prendre l'araignée ici et de la mettre dans nos forces. Et donc c'est encore une carte avec une valeur zéro, mais je vous rappelle qu'il n'y a pas que le combat, il y a aussi les effets de cartes qui peuvent s'activer. Donc ici les couronnes, potentiellement que je pourrais explorer eh bien, cette carte au prochain tour. Ou même celle-ci. Très bien. On a une nouvelle carte. Ici on a dit déplacer une carte qui a terminé vers le bas de la pioche. Ok, donc on rencontre encore un démon là, un démon assez sauvage. Très bien. Euh... Qu'est-ce que je fais Est-ce que je temporise Je vais temporiser, je pense. Comme ça, au prochain tour, je vais pouvoir prendre deux cartes avec euh, les couronnes. Déplacer une carte du cimetière vers le bas de la pioche. Oh, en plus, celle-là, elle est très très bien. Magnifique, ça va me permettre en plus de récupérer des cartes. Alors, on va faire l'action suivante. Je vais temporiser le tour. Je temporise, donc cette carte, je vais décider de la mettre ici. Donc là, on nous dit déplacer une des cartes terminées vers le bas de la pioche. Ben, je ne vais pas hésiter, je vais prendre tout simplement celle avec la croix qui va aller comme ceci vers le bas de la pioche. Il y a cette carte qui va s'activer, une nouvelle carte rencontre qui nous dit déplacer une carte du cimetière vers le bas de la pioche. Et bien, très bien, on verra après. Mais maintenant, moi, je vais tout simplement faire l'effet de ma carte ici du paladin qui me donne deux couronnes qui me permettrait d'explorer ces deux cartes comme ceci. Donc deux couronnes, ça fait plutôt quatre couronnes comme ceci. Donc, j'ai atteint plus de 3. Donc, pour l'instant, j'aurais potentiellement validé une quête. Et ce personnage va tout simplement, héros, va retourner ici à la pioche. Déplacer une carte du cimetière vers le bas de la pioche. Et eh bien voilà, cette carte va aller vers le bas de la pioche. Excellent, on a pu en plus vider la pioche grâce à la faucheuse. Et cette carte, on va décider de la mettre ici. Voilà. Euh non, même ici. Je vais vous montrer pourquoi je fais ça. Donc, je la mets là. Je pioche une nouvelle carte, déplacer le, la carte du haut de la pioche tout en bas. Okay. C'est pas gênant, ça, on va pouvoir vivre avec. Je vais euh, tout de suite faire un combat. Donc je vais attaquer cette carte pour éviter que les zones se remplissent. Donc j'ai une valeur de 2 plus 0, ça fait toujours 2. Et bien cette carte va venir dans mon équipe et elle va venir ici. En plus, ça me donne des icônes serpent. Ok. Nouveau tour tuer la prochaine carte. Bon, ça, on va voir comment on va le gérer après. Bon, pour l'instant, on va continuer à quitter. Je vais prendre ici le croisé. Il va activer ses deux croix pour explorer ici. Et donc, je vais avoir deux nouvelles cartes dans mes quêtes. J'explore. Donc, cette carte est consommée. Elle va aller en dessous du deck. Et là, on nous dit de prendre la carte. On va la mettre comme ceci ici. Voilà. Et on nous dit donc de tuer la prochaine carte. Donc celle-ci va aller directement dans sa défausse. Ou du moins dans le cimetière. Alors ici on a un diablotin, mélanger la pioche, qui a une valeur de 2. Une valeur de 2. Mélanger la pioche, ouais, ça ne me dérange pas. Je pense qu'on va continuer. Est-ce qu'on quête ou pas euh, Il me faudrait des croix, j'en ai pas beaucoup. Ici je pourrais fermer la quête, mais je n'ai pas envie de le faire, parce que je risque de perdre. Je pourrais faire un combat, ça me permettrait d'échanger cette valeur avec cette valeur. Mais la valeur de 2 n'est pas, est pas, est pas mal non plus. Et je pourrais avoir des serpents au prochain tour. Eh bien, écoutez, on va combattre. Si je combats une valeur... Ah oui non, c'est pas bon. C'est une valeur de 2. Si je combats, c'est une valeur égale. Si c'est une valeur égale, ce qui se passe, c'est que les deux cartes vont aller dans le deck. Et ça ne me convient pas. Euh... Eh bien, écoutez, on va faire autre chose. On va tout simplement recruter. Si je recrute, c'est pas bon non plus. J'ai pas envie de recruter. Si on va recruter, allez, on va faire l'action recruter. Je prends cette carte, c'est dommage parce qu'ici je pourrais explorer. Bon, on va, on va explorer. J'explore. Je prends ce croisé qui va me permettre d'explorer les deux cartes ici. Et donc j'ai plus de zone de quête ici. Il me reste qu'une zone de quête. Donc, je recrute. J'explore. Hop, comme ceci. Cette carte, elle va aller ici, parce qu'il n'y a plus de zone de quête ici, donc elle va aller dans mélanger la pioche, pas de problème, on mélange la pioche et j'ai plus qu'une seule carte, donc il faut que je fasse attention. Je vais tout simplement faire un combat contre cet ennemi. J'ai une valeur de 2 plus rien, donc pas de problème, cet ennemi va aller de mon côté. En plus, c'est encore un croisé avec deux croix. Excellent. Là on nous dit déplacer la carte du haut de la pioche tout en bas. Bon, ok. Est-ce que je l'attaque est-ce que je l'attaque pour avoir une autre carte et potentiellement tenter le serpent au prochain tour bah, Je vais l'attaquer. Je vais la prendre. Hop, je l'attaque avec mon paladin de 2 ⁇ C'est une valeur supérieure, donc la carte va directement dans ma main, comme ceci. Ah ouais, on est très bon là, on va pouvoir quêter et finir le jeu. Ok, donc là on a une nouvelle carte de rencontre. Déplacer la carte de la pioche tout en bas. Bon, bah écoutez, euh, non, je ne vais pas le faire. Je vais tout simplement aller quitter ici, avec le croisé qui me donne deux symboles serpent, je quête, la carte va sous le deck, et je vais prendre cette carte ici, et on applique la fin de la carte, parce qu'il faut finir le tour, donc elle va dans la zone de quête, déplacer la carte du haut de la pioche tout en bas, ok, je la déplace tout en bas, et c'est une victoire, pourquoi Parce que j'ai deux zones de quête ici, réussies, donc ici j'ai une quête avec trois cartes, avec le symbole serpent, ici avec quatre cartes, Couronne, donc j'ai deux zones de quête et réussi avec au moins trois cartes avec le même symbole. Donc c'est une victoire. Ce que je vous propose, c'est de refaire une partie où je vais essayer peut-être de la jouer différemment en essayant de recruter un peu plus, en ayant plus de mains et faire un peu plus de combats. Et ce que je veux vous montrer surtout, c'est de vous montrer que le jeu tourne très bien, qu'il est fluide et qu'on peut comme ça enchaîner les parties. J'espère que vous avez compris plus ou moins euh, bah, le fonctionnement du jeu sur cette vidéo. Et vous allez la comprendre là sur la deuxième partie. J'espère aussi ne pas faire trop de fautes ou d'erreurs de... Ben, de règles. sous vous dire, voilà, j'ai mes règles ici, hein. donc, euh, en français. Euh, Je n'ai pas remarqué d'erreur. On... J'espère que tout va fonctionner cette fois-ci pour ce nouveau tour. Donc une, deux. Hop. Et en plus, ça vous permet de voir la mise en place qui est vraiment très rapide. C'est ce que j'aime dans ce jeu. Ah, donc on a deux cartes identiques. Et ben voilà, on perd une carte avec une valeur de 2, c'est pas grave. Et là, oh là, ça m'est jamais arrivé, ça avoir trois cartes identiques. Ok, eh bien, on va faire avec. Hein. Je ne sais pas si dans les règles on nous dit quelque chose. Ça m'est jamais arrivé. Équipe, gardez la place à côté. Puis je te regarde du héros pour faire votre tricks. C'est un héros à la même icône qu'un autre héros. Vous devez l'empiler sur la carte existante. Et ben voilà, ça m'est jamais arrivé d'avoir exactement trois cartes identiques alors que je viens de faire un mélange en même temps que je vous parlais. Pas de souci. Eh bien, on va démarrer. Donc première carte ici, donc qui a une valeur de 1. Moi j'ai une carte de valeur de 1. Ok bah déplacer la carte du haut de la pioche tout en bas. Et eh bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement ici... Euh, hmm, on va... c'est compliqué cette situation. Bah, je vais faire un combat. Allez, je combat. C'est une valeur égale. Donc les deux cartes sont reprises et mises dans le deck rencontre. Je vous ai dit que j'allais faire un peu plus de combat ce tour-ci et aller un peu plus dans le tour. Ok, on pioche une nouvelle carte. Jouer la carte, la prochaine carte. Jouer la prochaine carte, c'est-à-dire que la carte va aller directement dans l'un des decks rencontre. Ça, ça ne me plaît pas. Pourquoi Parce que finalement, le deck rencontre va augmenter. Et eh bien ce qu'on va faire, c'est qu'on ne peut même pas ici enquêter, euh, du moins euh, le, le recruter, parce qu'en fait il a le symbole rouge, donc on est obligé de le combattre. Ou on est obligé d'explorer. Mais l'exploration, malheureusement, on ne peut pas la faire sur lui. Donc là, je suis un peu coincé. Et donc il va surtout jouer la prochaine carte. Donc il faut que je vide un peu un terrain. Et eh bien je vais utiliser... Ah non, c'est dommage. Je vais utiliser cette carte, donc euh, le... ce héros pour aller explorer ici. En explorant ici, cette carte va venir dans ma zone ici de victoire, donc avec les symboles soleil, et cette carte va être utilisée, consommée, elle va aller là. Cette carte, donc ça va être joué la prochaine carte, donc déjà celle-ci, elle va aller là. Et celle-ci, je vais décider de la mettre bien ici. Oh mince. Attendez. Celle-ci va aller là plutôt. Et celle-ci, on va la mettre plutôt là. Voilà. On ne peut pas avoir de symboles qui se suivent, sauf ici, ça s'est fait de manière totalement... Euh, forfuit. Et il faut savoir aussi que si deux symboles se suivent, quand on pose une nouvelle carte, et eh bien on la met directement dans le cimetière. Ok, donc nouvelle carte, ici de valeur 1, j'ai une 2, donc je prends directement la carte, je l'ai combattue. Ici on a une carte de valeur 3. Tu as une carte de la pile ayant le moins de cartes dans vos quêtes terminées. Ah non, ça c'est dommage, c'est-à-dire cette quête qu'on a avancée, elle va venir, elle va repartir dans le deck. À moins que j'utilise mon paladin pour le recruter. Bah, je vais faire ça. Je vais utiliser mon paladin pour le recruter, donc cette carte va partir dans la défausse. Celle-ci et lui il va venir ici. Oh bien, ça c'est un paladin, un guerrier avec une valeur de plus. Ça c'est intéressant. Ok, nouvelle carte. Donc là on a encore ce fameux démon. Déplacez une carte des est terminée vers le bas de la pioche. Non. Et euh... je peux rien faire. J'ai pas assez de valeur d'attaque. Ce que je peux faire c'est le combattre. Lui il va dans le cimetière. Et en échange, je récupère lui. C'est ce que je préfère faire ça. C'est une astuce aussi. Dans le combat, c'est la valeur inférieure. L'allié meurt. Donc il va au cimetière directement. Par contre, on récupère eh l'ennemi parce qu'il se il s'engage dans nos équipes, dans notre côté de la lumière. Voilà. Donc là, on a une valeur de 1. Et eh bien je vais l'attaquer directement avec euh, je dire la voyante. Voilà. Hop. 2 contre 1. Et eh bien c'est bon. Ça fait ça. Là, on s'en sort bien. On a des bonnes cartes. On va pouvoir faire pas mal d'actions ce tour-ci. Euh, des croix, on en a une là, des soleils, on en a qu'une là, là on a une croix. Hum. Écoutez, je pense qu'on va utiliser l'action soleil pour déjà prendre cette carte et la mettre ici en point de victoire, donc la carte est utilisée et consommée. Celle-ci va aller ici, comme ça je vais pouvoir jouer cette carte. Tu es tuer. la prochaine carte si elle là, croix ou chemin, bah elle a pas, donc c'est très bien. Il ne se passe rien. Je vais profiter maintenant. Déplacer une des cartes terminées vers le bas de la pioche. Oh, c'est pas possible. Et c'est une valeur de 3. Je préfère quitter. Je vais quitter. Donc, quitter ici avec ce personnage. Donc, la voyante. Avec la couronne et la croix. Donc, je vais prendre couronne et croix. Et comme ceci. Je vais quitter. Et cette carte va partir dans le deck de rencontre. Et cette carte, elle va venir ici. Et elle va s'activer. Déplacer une des cartes terminées vers le bas de la pioche. Il euh, n'y a il n'y a pas de croix, donc c'est très bien. On va mettre une croix ici parce qu'ici, il y a des couronnes, c'est ce que je recherche. Hop. Nouvelle carte, tuer la prochaine carte. Non, ça, ça ne me plaît pas. Je ne peux pas recruter la carte parce que c'est un guerrier euh, immortel qui reste fidèle à sa compagnie. Je ne peux pas la recruter. Par contre, je pourrais explorer. Non, je ne peux rien explorer. Donc là, je vais devoir passer. Donc je passe. Celle-ci va aller ici. Là, je pense qu'on a perdu. Celle-ci va aller ici. Et elle, on va la tuer. Si j'ai une troisième carte qui vient ici dans le cimetière, c'est une défaite. Euh, gagner la prochaine carte, c'est la... Ah ça c'est intéressant, gagner la prochaine carte, c'est la euh, couronne ou soleil. Eh ben, elle avait ni l'un ni l'autre, donc ok. Par contre, je peux recruter la carte avec la croix. Donc je vais recruter cette carte. Flac. Et celle-ci va aller directement dans la défausse. Donc là j'ai une valeur de 1. On nous dit tuer la prochaine carte. Aïe elle a une valeur de 2. Là, je vais perdre, je pense. J'ai une couronne et un serpent. Couronne serpent, bah, je vais faire ça juste pour le plaisir hein, de, de faire l'action. Donc, serpent ici, couronne ici. J'ai quitté et j'ai perdu. Pour la simple et bonne raison que déjà, je n'ai plus de cartes dans mes équipes. Et d'autant plus que cette carte qui va venir ici va tuer la prochaine carte, donc celle-ci. Et il y a trois cartes dans le cimetière. Donc, vous voyez. Le jeu, même s'il paraît simple, bah, il n'est pas simple, il faut réfléchir sur ses actions. Il y a pas mal d'actions à faire, il y en a trois, mais c'est plutôt une gestion finalement de deck. On va essayer de gérer les zones, on va essayer de gérer aussi les cartes qui vont popper, parce qu'on essaie d'apprendre de, le deck au fur et à mesure. On a la vision quand on fait le deck rencontre sur la prochaine carte, donc on peut voir si l'effet va s'activer, si la carte elle, est intéressante, si elle a un symbole demain, donc c'est-à-dire qu'on pourra pas la recruter. donc il faut anticiper dès à présent le recrutement d'une unité ou un combat prochain, ou même de faire de l'exploration, et bien c'était arrié sur... Attends, tu pouvais pas tuer l'araignée en sacrifiant ton guerrier euh, Si, je pouvais, mais de toute façon, en faisant ça, après il y avait une carte qui allait arriver directement dans ma zone de cimetière, et c'est pour ça que je l'ai pas fait. Euh, voilà, bah écoute, c'était arrié pour le jeu Rage Mort, donc un jeu microgame chez Matago qui arrive très prochainement, je pense en fin d'année, j'espère que ça vous a plu, et voilà, mais en tout cas, ce jeu me plaît énormément. L'ADA est vraiment exceptionnelle. J'espère qu'on en verra d'autres de ce type ben en microgame ou pourquoi pas même en édition classique chez Matago. Et je vous dis à très bientôt et surtout merci à Kibi d'avoir vu la vidéo. Ça me fait plaisir et d'avoir été là sur le Twitch. À bientôt. Au revoir.